Ça va? Ouais, pourquoi? Je sers du café à ton téléphone. Hein? Ou du thé. Ton téléphone, il veut boire quelque chose. Ouais. T'as bien dormi? Ça va. Pourquoi tu fais ta gonzesse là? Quoi, ma gonzesse? Bah, tu fais ta gonzesse là, tu sais, tu fais comme les meufs qui font la gueule, tu leur demandes si ça va et elles disent oui, ça va, alors que clairement ça va pas du tout quoi. N'importe quoi, tout va bien, t'es parano ou quoi toi? Bah, ouais, un peu. On va dire que je raccorde des trucs un peu dans ma tête. Mmh. Tu raccordes des trucs? Oui. Genre quoi? Bah, genre là, ton silence ce matin. Le fait que t'aies pas eu envie de baiser hier pour la première fois en 2 ans. Ouais, ok. Alors, tu vas pas foutre la pression comme ça direct, d'accord? Mais non, mais y a pas de pression. Juste, je note, j'ai le droit de noter quand même que c'est la première fois, quoi. Ok. Bon, mais maintenant, je vais flipper dès que t'auras envie. Puis t'as souvent envie. Ah. C'est marrant quand même que. Comme les trucs que tu kiffes grave chez quelqu'un au début, bah c'est toujours ce que tu finis par fuir. C'est pas que j'aime plus, ok? Juste que. Voilà quoi. Que quoi? Non mais vraiment, moi je veux savoir. Je suis intéressée de savoir comment on passe de ah génial, Éléonore adore baiser parce que vraiment tu kiffais, à putain, ça me fout la pression qu'elle adore baiser, c'est intéressant. C'est pas le fait que t'aimes baiser qui me fout la pression, d'accord? C'est le fait que tu remarques que moi j'ai pas envie. Donc t'as pas envie? Eh ben hier non, voilà, désolé, hier j'avais pas envie. Ça arrive, c'est mais comme oui, ça. Mais oui, ça arrive. Moi j'encaisse complètement le fait que t'aies pas envie, mais juste il faut que tu me parles. Parce que sinon après tu me connais, je me sens plus désirée, du coup je me sens plus femme. Et comme je suis pas un homme non plus, bah je sais plus où me foutre, tu vois. Ouais. Donc je dois avoir ma psy là pour parler en boucle de ma peur du rejet. De... Et après c'est moi la gonzesse, mais la vache. Bah c'est nous deux, pauvres cons. Je peux te parler d'un truc? Bah t'adores parler, donc oui, vas-y, je t'écoute. Mais putain, c'est quoi ce nouveau reproche, là? Oui, j'adore parler. On n'est pas mort, quoi, oh, merde. Ouais, arrête de gueuler. Mais non, mais je comme gueule ça, pas, c'est fou, quoi. On respire, on... Voilà, moi, ça me fait partir en vrille, là. Je suis italienne aussi, tu sais très bien, ça. De quoi tu parles? Bah, je suis italienne. Mais n'importe quoi, c'est pas parce que tu bouffes des pizzas que t'es italienne. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, vas-y, ta gueule. On t'écoute, Lolita. Qu'est-ce que t'as à dire? Est-ce que hier, le fait que t'aies pas eu envie, ça a un rapport avec mon arrêt de la pilule? Ah, donc oui. Oui. Peut-être que ça bloque un peu, oui, je sais pas, c'est pas... T'as peur qu'on ait un accident? Je sais pas, peut-être, ouais. Aucune pression, là, sur ce que je vais dire, ok? Mmh. Imaginons. Imaginons, là, je tombe enceinte. Toi, tu voudrais pas le garder? On se débrouillera. Bah non, Ludo, on fait pas des gosses dans la débrouille, en fait. Tu me fais quoi, là? T'es enceinte? Non. Non, t'es pas enceinte? Bah, alors pourquoi tu fais chier, là? Pourquoi tu cherches la merde? Bah en fait c'est pas la merde quoi pour moi ça. J'en veux pas maintenant des gosses mais j'en veux quoi, j'en veux vraiment. Mmh. Et tu le sais très bien parce que c'est un des premiers trucs que je t'ai dit quand on s'est rencontrés ouais. Quoi, je te l'ai jamais caché. Je sais, je sais. Et t'en voulais aussi. Bah ouais mais c'était il y a 2 ans. Et depuis? Bah j'avais pas bien réfléchi c'est tout. Et là? Bah là j'en veux plus, voilà. Ça sonne hyper définitif. Quoi. Écoute, rien n'est jamais définitif, mais bon, oui, non, effectivement, aujourd'hui, je vois pas l'intérêt de. Mais tu m'aimes plus? Si, je t'aime. Hey. Oh, je t'aime. Okay. C'est juste que je veux pas de gosse, voilà, c'est tout. Mais tu veux quoi alors? Je veux quoi? Mais je sais pas, moi je réfléchis pas à tout ça, quoi. Je veux rien de particulier, je veux juste que, bah voilà, on continue, on s'amuse, on est bien tous les deux, on se prend pas la tête et... Ouais, je vois.
Tu veux qu'on continue à pas vivre ensemble, à pas faire de gosses ensemble, à vivre comme des adolescents, quoi, ou des immortels, d'ailleurs. Je veux, toujours dans l'exagération, là. Non, mais moi, j'adore les vampires. Moi, c'est ma passion, les vampires, donc y a pas de problème. Donc, il y avait bien un truc qui allait pas. Oui. Donc, je suis pas parano. Non. Enfin, pas toujours. Bah, tu vois, c'est bien. C'est chouette, on communique. Moi, j'aime bien, je me sens mieux. C'est vrai. C'est bien quand on parle. Ouais. Par contre, tu vas être très en retard. Ouais, bon, c'est pas grave si je suis en retard aujourd'hui. Mais si, tu rigoles ou quoi? Attends, je l'ai toujours dit, le plus important, c'est le boulot. Le boulot. C'est le boulot. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Bon, on se voit ce soir? Oui.